force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Shalom, shalom, que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous, que la bénédiction de Yahvé soit avec vous. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, nous continuons notre moment de prière. Nous poursuivons l'étude du nom hébraïque de Dieu, Yahvé. Dans le cadre de notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons voir Yahvé comme le Dieu de l'Alliance. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons voir trois dimensions de l'Alliance de Yahvé. Nous allons voir l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse et l'alliance avec David. Commençons d'abord par l'alliance avec Abraham. Avant Abraham, c'est Elohim qui a fait alliance avec Noé. Mais à partir de Genèse 12, c'est Yahvé, le Dieu de l'alliance, qui se révèle à Abraham et qui lui demande de quitter son pays, sa patrie, et d'aller dans un pays qui lui montrerait. C'est ce que nous trouvons dans Genèse 12, 1 à 3. Nous allons lire dans la Bible de Jérusalem. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Lorsque nous continuons la lecture, Yahvé promet à Abraham de donner les pays de Canaan à sa postérité. En retour, Abraham bâtit un autel à Yahvé. Genèse 12, 7 à 8 dit, Yahvé apparut à Abraham et dit, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne à l'orient de Bethel et il dressa sa tente ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom. Dans la version Nouvelle Bible Second, NBS, le verset 8 a été traduit comme suit. Puis il leva le camp pour se rendre dans la montagne à l'est de Bethel, il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel pour le Seigneur et invoqua le nom du Seigneur, c'est-à-dire Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu de l'Alliance. Dans Genèse 17, à partir du verset 4, il est dit, la version Bible de Semeur, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, c'est-à-dire père éminent, mais Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Et je te donnerai d'être à l'origine des diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité. Et je serai le Dieu,
de ta descendance. Puis Dieu ajouta, « De ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter ? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. » Nous pouvons relever dans cette alliance avec Abraham les engagements divins ainsi que ceux d'Abraham. Parce que quand on parle de l'alliance, c'est-à-dire il y a les engagements des parties. Voici les engagements de Yahvé. Il a promis une descendance nombreuse à Abraham. C'est pour cette raison qu'il changera son nom. Il s'appelait Abraham, qui signifie père éminent. Mais Dieu lui donna le nom d'Abraham, qui signifie père d'une multitude. Abraham est devenu le père des croyants juifs et non-juifs. En effet, il est le père d'un grand nombre de peuples qui se rattachent à lui comme étant leur ancêtre commun. Les Israélites, les Arabes, les Ismaélites, les Arabes kéturiens, édomites, etc. Cependant, c'est à la nombreuse postérité des enfants d'Israël que la promesse renfermée dans ces versets s'applique spécialement. Ismaël est certes exclu de cette alliance avec Abraham. Toutefois, lui et ses descendants vont rester sous la bénédiction de Dieu. En fait, en bénissant Ismaël, Dieu renouvelle sa bénédiction originale sur toute l'humanité consignée dans Genèse 1:28 et sa bénédiction sur Abraham dans Genèse 12:2. De même que la postérité d'Isaac va former une grande nation de 12 tribus, celle d'Ismaël, sous la bénédiction de Dieu, formera une grande nation de 12 dirigeants, selon Genèse 25, 13 à 15. L'évangéliste Matthieu, dans le Nouveau Testament, cite dans sa généalogie Abraham comme étant l'ancêtre de Jésus, Matthieu 1, 1. Dans son Magnificat, Marie voit la naissance de Jésus comme étant l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité. Luc 1, 54 à 55. L'apôtre Paul précise que les promesses faites à Abraham s'étendent aux païens, c'est-à-dire non-juifs, qui ont cru en Jésus. Galates 3, verset 13. C'est ainsi que nous, bien qu'ils n'étant pas juifs de naissance, lorsque nous acceptons Jésus, nous entrons dans cette alliance, nous devenons la postérité d'Abraham. Il a promis ensuite la possession du pays de Canaan à sa postérité pour l'éternité. Il a réitéré les mêmes promesses à Isaac et à Jacob. C'est Dieu qui garantit la pérennité de cette alliance. Ce pays n'est pas donné à Israël provisoirement, mais pour toujours. Dans l'histoire, Israël a été dépossédé de son territoire à plusieurs reprises. Des Israélites furent d'abord assujettis aux Égyptiens pendant 430 ans. Puis ils furent déportés en captivité à Babylone pendant 70 ans. Après cela, ce fut la diaspora en l'an 70 de notre ère. Après qu'ils furent massacrés par les Romains à cause du rejet de leur Messie, Jésus-Christ. Certes, ils ont commencé à retourner en Israël lors de la création de l'État hébreu en 1948. Mais c'est à la fin des temps que ce pays leur appartiendra dans sa totalité comme Dieu l'a promis à Abraham. Il a promis de garder avec lui et sa descendance des relations privilégiées. Yahvé précise que l'alliance qu'il a conclue avec Abraham s'étend à sa descendance et il ajoute « Je serai le Dieu de ta descendance ». Voyons maintenant quel est l'engagement d'Abraham. L'engagement d'Abraham dans l'alliance consiste à mettre en pratique ses clauses, ce qui implique dans l'immédiat la pratique de la circoncision destinée à tout mâle. Toutefois, le rite de la circoncision ne représente pas à lui seul l'ensemble de l'alliance. Il doit être un signe de l'alliance. Bien que Dieu ait demandé à Abraham de circoncire à l'âge de 8 jours tout mâle, qu'il soit né dans sa maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Les bénéficiaires des promesses de l'alliance, c'est la postérité d'Isaac. Ismaël fut aussi circoncis selon la recommandation divine, mais il n'était pas le fils de la promesse, selon Genèse 17, 20 à 21. Il y a ceux qui concluent de manière personnelle des alliances avec Dieu,
Peut-être que c'est ton cas, mon frère. Peut-être que c'est ton cas, ma sœur. Si tu as conclu une alliance avec Yahvé, il faut respecter les clauses de l'alliance. Bien-aimé, Yahvé, c'est le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui tient toujours ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, ma sœur. Oui, si tu connais Jésus-Christ, Yahvé est ton Dieu. Il est le Dieu de l'alliance. Quand il a fait alliance avec toi, il accomplit fidèlement sa promesse. Mais il faut aussi que toi, tu tiennes tes engagements vis-à-vis de lui. Que le nom de Yahvé soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques.
Gloire à toi, Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu mérites gloire, honneur, puissance, magnificence, dès maintenant jusqu'au ciel des siècles. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous as fait d'appartenir à ton royaume à cause de Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Peuple de Dieu, continuons à adorer Yahvé. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi, qui produit cette émission à partir d'Abidjan sur YouTube. Si OSB vous fait du bien, ne gardez pas pour vous-même. Veuillez partager avec des personnes qui vous sont chères. Veuillez aimer. Je vais voir de cœur avant de continuer. Merci. Veuillez aussi signaler votre pays et la ville à partir de laquelle vous suivez cette émission. Si vous avez aussi un témoignage, ce sera intéressant. Pour ceux qui sont à Paris et qui seront au programme le samedi 22 juin 2024, si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez aussi vous manifester. Nous vous donnerons le temps pour donner votre témoignage. Mais veuillez vous inscrire parce que dans quelques jours, nous allons clôturer les inscriptions. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en France, qui voulez participer à ce programme spécial OSP Paris, nous serons à l'hôtel Novotel Val des Fontenay à partir des 10h. L'entrée est gratuite, mais il faut vous inscrire au numéro que nous vous donnons. 07 61 27 32 15. Deuxième numéro, 07 63 07 91 62. Voici les sujets de prière que nous vous donnons en rapport avec le nom de Dieu, Yahvé. Nous allons d'abord dire merci à Yahvé pour sa fidélité à ses promesses. Il est le Dieu de l'Alliance qui accomplit fidèlement ses promesses. Il est un Dieu fidèle. Élève ta voix pour bénir son saint nom. Amen. Nous allons maintenant demander à Yahvé de changer notre nom comme il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il est capable de changer ton nom afin que tu aies un nom qui affecte ta destinée. Il a dit à Abraham, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham au nom de Jésus. Il a une destinée pour toi, une destinée meilleure. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération
Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous aide à être fidèles, à respecter l'alliance avec Yahvé. Lui, il est un Dieu fidèle, mais il faut que nous aussi nous respections les clauses de l'alliance. Que nous soyons obéissants à Yahvé. Que nous puissions garder l'alliance avec lui. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de remerciement, d'action de grâce ou un sujet aussi de prière. Au nom de Jésus, écrivez maintenant, écrivez votre sujet de prière et nous allons le porter devant le trône de Yahvé ensemble. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Yahvé, le Dieu qui garde l'alliance. Oui, je prie maintenant pour tous ceux qui ont fait alliance avec toi, dans le puissant nom de Jésus, afin que tu te souviennes de ton alliance et que tu les visites. Souviens-toi de ce couple sans enfant. Depuis des années, ils sont là. Ils attendent un enfant. Comme Abraham et Sarah ont entendu Isaac, Éternel Yahvé, le Dieu de l'Alliance, visite-les maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Change le nom, oui, de cet homme. Change le nom de cette femme. Oui, comme tu as changé le nom de Sarah, comme tu as changé le nom d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Change le nom de quelqu'un qui est jusque-là chômeur. On l'appelle chômeur. Les gens se moquent de lui dans la famille. Enfin qu'il devienne travailleur. Enfin qu'il devienne boss. Enfin qu'il devienne patron d'entreprise. Au nom de Jésus-Christ. Change le nom de quelqu'un qui est maladif. Qui est maladive. Au nom de Jésus. Qu'il reçoive la guérison. Et que maintenant on l'appelle santé. Change le nom de quelqu'un qui est dans l'humiliation depuis des années. Au nom de Jésus. Que son nom soit changé en gloire dans le nom de Jésus-Christ. Change le nom de quelqu'un. Oui, un étudiant qui vit dans l'échec maintenant, qu'il passe de l'échec en succès dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle. Aide-nous, aide chacun, ô Dieu, à respecter ton alliance. Aide chacun à être obéissant. Ramène vers toi ceux-là qui se sont égarés, ceux-là qui se sont écartés de ton alliance. Fais-les revenir à toi. Béni soit ton nom, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu fidèle. Je voudrais prier de manière spéciale pour tous nos enfants, tous ces jeunes qui sont en pleine composition de bac. Que la faveur divine soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les limitations de l'ennemi,
soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, soit avec vous au nom de Jésus. Qu'avec Jésus, vous puissiez faire des exploits comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous couvre par le sang de son Fils Jésus-Christ. Que toute incantation, toute divination contre vos vies soit annulée, soit révoquée au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel vous donne du succès, car la Bible déclare, le Dieu des cieux nous donnera du succès. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous rappelons le programme OSP Paris 2024. C'est pour le samedi 22 juin 2024 à l'hôtel Novotel Val des Fontenay. Veuillez toujours vous inscrire en appelant à ce numéro 07 61 27 32 15 ou 07 63 07 91 62. Nous allons boucler les inscriptions dans quelques jours, donc n'attendez pas. Et si vous voulez vous faire accompagner, signalez également le nom des gens qui vont vous accompagner. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, si vous avez des parents, des enfants que vous voulez recommander en France pour venir à ce programme OSP Paris, veuillez nous communiquer leur nom. On va leur envoyer les liens et les éléments nécessaires. Et ils peuvent aussi appeler le comité d'organisation pour s'inscrire parce que nous voulons boucler les inscriptions. Ceux qui ont besoin de la littérature, Le butin du tyran lui sera enlevé. Ce livre sera disponible à Paris. Nous aurons aussi la série Prier avec les psaumes, Prière prophétique OSB 2024, Vaincre ton Goliath, Les faux prophètes, Connaître ton identité et d'autres livres qui peuvent vous aider dans votre foi. Aujourd'hui, jeudi, nous avons notre cellule intercesseur sur la brèche ici à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts. Venez nombreux. Cette cellule est ouverte à tous ceux qui aiment la prière et qui veulent voir la main de Dieu. Pendant ce temps, nous sommes en train de parler des brisements, des limitations de l'ennemi. Ne manquez pas, c'est à partir de 12h au CPE, juste à l'entrée. Pour le rendez-vous avec moi, c'est à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Le révérend docteur Dieudonné Ngoumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.